de Boudoulinec. Ouais. Vous connaissez Boudoulinec? Oui. Boudoulinec, c'est un petit garçon qui est très très obéissant, mais un jour, il décida d'écouter une renarde qui était venue le voir pour jouer avec lui. Voici ce qui lui arriva. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Boudoulinec. Il vivait avec sa grand-mère et son grand-père dans une maison près des bois. Un jour, ses grands-parents allèrent au village pour acheter de la nourriture. Sa grand-mère lui prépara des petits pois. C'était sa nourriture favorite. N'ouvre la porte à personne, dirent les grands-parents. Une renarde rusée, rôde et très dangereuse. Boudoulinec promit d'être. Quand la nuit commença à tomber, les enfants cherchaient leur père.
mais ne le trouvèrent pas. Ils s'appelèrent, crièrent et coururent dans la forêt. Marika commença à pleurer. Yannick la rassura. Ne pleure pas, je vais grimper à un arbre et regarder si je vois briller une lumière. Si oui, nous irons dans sa direction. Et en effet, Yannick aperçut au loin une petite lumière jaune. Bientôt, une maison apparut juste devant eux sur le sentier. C'était une maison de pain d'épices. Elle n'était pas ordinaire. Comme ils avaient faim, Yannick grimpa sur le toit, en décocha des morceaux et les lança en bas à ses sœurs. À ce moment, la porte s'ouvrit et une vieille femme surgit grinçant d'une voix désagréable. Et qui me vole du pain d'épices ? La vieille dame les attrapa tous les deux et les jeta dans la porcherie. Maintenant, je vais vous faire cuire avec du pain d'épices et je vais vous manger, lança-t-elle, menaçant vos enfants terrorisés. Puis elle partit dans la forêt chercher du bois pour chauffer son four. Les enfants attendirent que la vieille femme sortit de la maison pour s'enfuir. Ils réussirent à s'échapper dans la forêt. Lorsque la vieille femme rentra chez elle, elle se précipita à la porcherie, mais n'y trouva pas les enfants. De rage, elle jeta le bois qu'elle avait ramassé dans un coin et partit à leur poursuite. La vieille femme disparut dans la noire forêt et personne ne la revit jamais. Quant aux enfants, ils rentraient sains et saufs chez eux. Sourd assez jeune quand même. Donc on n'a pas trop entendu. Est-ce que ça vous a plu? Oui! C'est pas encore assez fort, je trouve, je veux dire. Est-ce que vous pourriez crier un petit peu plus votre joie? Est-ce que ça vous a plu? Oui! Voilà! Parfait! Je vais vous demander d'applaudir avec un tonnerre d'applaudissements, juste ça. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. À très bientôt pour le nouveau mini-concert. Juste avant de repartir, peut-être que Bernard va allumer la salle, parce que vous avez pu remarquer qu'il y a des caméras, il y a des micros. Ces mini-concerts sont enregistrés pour un DVD. Il y a un travail qui a été fait par l'école de l'Académie de Biosse avec M. Nadeau, ça je ne me trompe pas de nom. Donc je vais faire monter les élèves qui ont travaillé pour faire un petit pédagogique, une revue de presse, notamment sur ce mini-concert qu'ils ont préparé. Donc vous allez monter sur scène.